J'ai choisi cette photo parce que elle me parle. La guerre, c'est toujours quelque chose de dérisoire et d'inutile. Là, il y a un mutilier à qui il manque une jambe. Et c'est horrible. Mais peut-être que les plus grandes mutilations, c'est celles qui sont faites au niveau de l'âme des gens, au niveau de leur cœur, de leur esprit. C'est fou que l'on puisse constater que notre puissance à détruire est autrement plus incommensurablement plus grande que notre capacité à bâtir. Est-ce que j'ai l'intuition absolue qui me permet de rentrer en communication avec ceux qui ont vécu des situations extrêmes de souffrance, je ne sais pas trop. Voilà. Ce que je sais, c'est que dans les films que j'ai pu faire, j'ai parfois essayé de capter des moments de souffrance. Si ça m'arrivait d'être dans des situations où je devrais cinématographier des scènes de guerre, j'espère que c'est avant tout mon humanité qui parlerait, c'est ma sensibilité, et que je serai à même de capter sans voyeurisme tout le sens et la signification de l'horreur. C'est ça en fait. Je crois que ce qui me fait souffrir, moi, c'est l'inutilité de tout ça. Pourquoi on ne parvient pas à être raisonnable? Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi?